C'est parti pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, on est enfermé dans une prison avec Jean-Fils et on va devoir s'échapper d'ici parce qu'à mon avis, les gardiens de prison ne vont pas tarder à arriver. Donc il faut vraiment qu'on s'échappe d'ici rapidement, Jean-Fils. Bon, Kefko, t'as pas une idée pour s'en sortir d'ici, frérot? Allez, moi je me couche, hein. Mais frérot, tu nous aides pas du tout là. Il faut vraiment qu'on se dépêche de s'échapper. À mon avis, ce tableau, il a pas l'air net. Et voilà! Bien joué, regardez les gars, il y a carrément une crevasse juste ici qui va nous permettre de s'en sortir. Ça, ça fait plaisir. Ça va, Kefko, ou pas aujourd'hui? Ah, franchement, ça va super bien. Et toi, à part qu'on est enfermé dans une prison qui fait quand même un petit peu flipper. Oh non, frérot, on s'est renfermé dans une autre cellule. Bah, j'avoue, si on se serait déjà échappé de la prison, ça aurait été clairement le escape game le plus simple qu'on a jamais fait. Attends, les escape games, on sait, c'est pas si simple que ça, frérot, j'ai trouvé, c'est juste ici dans le coin. Attends, t'es passé par où, là? Dans le coin, Kefko, dans le coin, y'a un trou. Ok, je pense que c'est juste ici. Oh, mais t'es beaucoup trop fort, on est déjà dans la grotte de la prison. Oh, c'est attends, mais comment ça, on est mort? Attends, ils ont carrément mis des pièges dans cette prison. Ok, il faut sauter par-dessus les tuyaux. Faut faire attention, c'est carrément des tuyaux chimiques. Attention, on a besoin de la pierre et une clé pour pouvoir ouvrir la porte. Oh non, mais comment on va faire? J'avoue que ça a l'air pas mal chaud, mais mec, si déjà là, il y a des tuyaux empoisonnés, moi j'ai très très peur d'affronter les gardes de la prison. Pas une idée où est-ce qu'elle peut être? Bah je t'avoue que la grotte est quand même pas mal grande, j'en ai aucune idée. Tu as trouvé? Oh ah ouais, frérot, je suis trop fort en escape game. Allez, c'est parti. J'espère en tout cas qu'on va réussir à s'échapper parce que moi, je déteste être un prisonnier. Hein. On est dans une nouvelle cellule, c'est pas possible. Jean-Fils, y en a combien? Là, il nous faut une pomme, il nous faut une pièce d'or. Où est-ce qu'on va trouver une pièce d'or, frérot? Alors là, il y a des petites pommes et j'arrive pas à les récupérer. T'as trouvé quelque chose, toi? Kefko, regarde le texte, il est écrit quoi, là? Ah ouais, l'or, on doit retourner dans la grotte. Oh, regarde ce qu'il y a là. Ouais, j'ai un trésor. Ah ouais, dinguerie, j'avais pas vu ça. Vas-y, on va directement récupérer l'or. Comme ça, on passe au niveau suivant, Kefko. En tout cas, ça commence très très bien cette vidéo. T'en penses quoi, là? Bah ouais, là, on a clairement un trésor avec des pièces en or. Il faut juste maintenant qu'on arrive à sortir avec tout le butin. Alors là, il nous faut encore une clé, mais c'est abusé le nombre de clés qu'on doit trouver, frérot. Où est-ce qu'on va trouver ça? Je crois qu'elle est juste là derrière les barreaux, mais j'arrive pas à la choper. Ah c'est bon, ah c'est bon, ouais, c'est bon. Bien vu. Vas-y, récupère la Kefko. Bien joué, ça c'est beau ça. Et on avance super rapidement aujourd'hui. Regarde en haut. Ah ouais, tu l'as trouvé même avant moi. Ok. Attends, mais c'est une dinguerie. Attends, mais mec, on va finir la map d'ici 5 minutes en fait là si ça continue comme ça. J'avoue qu'il y a moyen que ça aille super vite, mais tu sais quoi, c'est très bien parce que je me sens vraiment pas bien à l'intérieur de cette prison, surtout quand il y aura des gardes. Ok, il nous faut une carte d'accès. Oui. Regarde, viens voir ce que j'ai trouvé. Oh là là. Hop là. Eh ben ça se passe trop bien aujourd'hui, je trouve ça même un peu bizarre. Hein. Regarde, il y a une carte d'accès juste là. Ok, c'est la carte que tu voulais. Oh, magnifique. Eh mais attends, mais on est beaucoup trop fort. C'est pas ce que t'en penses, toi, Kefko, mais je trouve qu'on est carrément le meilleur duo pour s'en sortir, hein. Et c'est vrai qu'on arrive à s'échapper à chaque fois. J'espère juste qu'aujourd'hui, on va y arriver parce que là, on est clairement enfermé dans le pire endroit. Là, c'est pas une école, c'est une prison, Jean-Fils. Ah ouais, j'avoue, c'est horrible, les gars. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour savoir si on va réussir, oui ou non, à s'échapper d'ici. Ok, regarde ici, Kefko. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Mais t'es passé à travers comme ça. Ok, vas-y, moi, je te suis. Franchement, je te fais confiance, Jean-Fils, même si on est dans les conduits d'aération de la prison. Pas très sécurisé. Ok, niveau suivant, ça c'est fait, mais on est toujours dans des cellules, c'est ça le problème. Comment ça, on peut pas voir le soleil, frérot? Moi, j'en ai marre, là. J'avoue, j'espère qu'on va bientôt pouvoir sortir. Regarde, je pense qu'on peut directement monter par ici. Ah, fais-moi la courte échelle. Attends, tu veux que je fasse ta courte échelle? Non, vas-y, laisse tomber. Peut-être ce carton. Hop. Ah ouais, on va aller sur le gros carton, ouais. Ah ouais, bien joué. Oh, n'avance pas, n'avance pas. Regarde ça, c'est des lasers. Je pense qu'ils nous tuent instantanément. Ah ouais, je teste. Ah ouais, il m'a tué. Oh non, j'ai trop le seum. Comment c'est possible? Je sais pas comment on va s'en sortir d'ici. Par contre, les gars, si vous kiffez les vidéos avec Jean-Fils, alors mettez le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et le code créateur PGE à utiliser dans la boutique de Fortnite. Merci à tous ceux qui le font. Oh, attends, c'était bon, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé des chug splash. Attends, quoi? Oh, tu penses qu'on peut traverser là? Oh, ça marche. Aïe. Ça fait mal quand même. Ah mais c'est une dinguerie comment ça marche directement. T'as vu, petit à petit, l'oiseau fait son nid, frérot. On arrive à s'échapper. On arrive à s'échapper, mais on est toujours dans une cellule là pour l'instant. Oh, ouais, nickel. Moi je suis dans la prochaine cellule directement. Ok, là il nous... Attends, c'est pas une course, hein, tu m'attends. T'inquiète, frérot, je t'attends, je t'attends. Alors la clé, elle est directement juste là. Mais dis donc, j'ai l'œil d'un faucon en fait là.
J'avoue que t'es très très fort. La clé, ouais, tu l'as prise. D'ailleurs, pourquoi tu penses qu'ils nous ont envoyé en prison, Jean-Fils? Honnêtement, je sais pas. C'est sûrement parce qu'on a été de mauvais garçons. Moi, je me demande quand même, qu'est-ce que tu as fait comme crime pour arriver ici? T'as dû faire vraiment des dingueries. Hein. Non, t'inquiète. J'ai peut-être volé des V-Bucks, mais le dis pas, hein. Ah ouais, j'avoue que ça doit sûrement être ça. Maintenant, on sait d'où il vient tous les skins à Jean-Fils dans son casier. Oh, j'arrive pas à trouver la petite carte de l'autorité, là. Attends, ici, on peut s'asseoir sur le siège. Et voilà, je l'ai débloqué. C'est une dinguerie, ça. Vas-y, on passe à la cellule suivante, frérot. On avance petit à petit. Il nous faut une brique de lait. Ouais, par contre, déjà, pourquoi il y a des bouteilles d'alcool au-dessus de la porte? Et encore, ce drapeau, il fait un petit peu peur, hein. Ah, c'est carrément la cellule d'un alcoolique, les gars. C'est vraiment pas cool, ça, hein. Et j'ai trouvé la bouteille de lait. Elle est juste ici, Kefko. Let's go. Allez, on accélère, on accélère. Je pense que là, on est quasiment sorti. Non, mec, vraiment, j'ai cru qu'on allait sortir d'une cellule. On est toujours là, dans une autre cellule. Et celle-là, on dirait que c'est les cellules des catacombes, frérot. Elles sont plus moches, j'ai l'impression. Ouais, mais t'as vu, on a pu ouvrir la porte. On est enfin dehors de la cellule, là. Ouais, à mon avis, c'est l'ancien segment de la prison qui n'est plus utilisé. C'est vrai qu'il n'y a pas de prisonniers ici, c'est bizarre. J'avoue que pour l'instant, on n'a rencontré personne, mais je suis quasiment sûr qu'on va devoir affronter les gardes au bout d'un moment. J'avoue qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'arme avec des armes très puissantes pour pouvoir abattre les gardes de sécurité. C'est bon, j'ai trouvé la clé, Kefko, viens. Ok, vas-y, magnifique. C'est vrai que pour l'instant, à part une pioche, on fait vraiment pas grand-chose. Donc là, j'espère juste qu'il n'y a aucun garde. T'as trouvé quelque chose? J'ai trouvé quelque chose directement en dessous de l'escalier. J'ai bien fait de regarder, les gars. Ça, ça fait plaisir. Un harpon, il va me servir à quoi? Oh là là. T'es trop chaud. Oh non, ils ont bouché. Gros, je te l'ai dit, toi et moi, on est les meilleurs en escape game. Personne peut nous tester, en fait. J'avoue, par contre, regarde là comment ils ont pu nous tester. Ils ont totalement bouché la prison. On peut passer ou pas? Oh non, si seulement j'étais plus maigre. Aïe, 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 peut-être en glissant. Attends, je vais tester. S'il y a un panneau de danse. Oh, j'ai chopé le pistolet transformateur. On a une petite pomme juste ici. Et on continue. Bien joué, Kefko. Ça, c'est grâce à toi. Ok, il y a l'horloge de Tilt-Tower. En général, on peut passer à travers, mais pas du tout. Attends, quoi? J'ai pas l'impression. J'ai trouvé un truc. Il y a un bouton ici. What? Mais attends, mais c'est quoi, ça? Le bouton est trop bien caché. Mais c'est quoi cette dinguerie, Kefko? Oh, ça s'est refermé, t'as failli t'écraser. Mais là, t'inquiète, moi, je suis encore vivant. Mais ouais, par contre, ça a ouvert le sol, c'était vraiment stylé. On est encore bloqué là. Là, par contre, sais pas quel prisonnier ils ont mis ici. Il y a un mur ici, il y a un mur bizarre. Là, what? Attends, mais quoi? Je me sens vraiment mal à l'aise dans cette cellule-ci, hein, frérot. C'est une dinguerie, hein. Je sais pas toi, mais. J'avoue qu'elle est vraiment spéciale. Faut pas être claustrophobe ici, hein. Sinon, là, t'as clairement peur. Dès qu'on arrive dans une pièce, j'essaie de me dépêcher parce qu'à mon avis, il faut qu'on aille très très vite. Sinon, oh! Et moi, qu'on ait des ennuis, j'ai trouvé l'or si jamais. Là, c'est bon, j'ai trouvé la pile, Kefko. Let's go! Et vas-y, parfait. On va pouvoir passer au prochain. Non! Tu m'as fermé la porte dessus. Ok, c'est bon, je suis là, Jean-Fils. Oh là là, encore plus de prison, c'est pas possible. Attends, mais what? T'as vu ce que je vois ou pas, mec? Mais c'est quoi cette prison? Elle est beaucoup trop bien. Et regarde ce qu'il y a au-dessus, une porte. Ouais, pas mal. Vas-y, attends, j'étais angoissé dans cette cellule, mais frérot, il y a carrément une cellule gaming. On doit clairement s'échapper, je te rappelle qu'on a volé un coffre au trésor. Ok, attends, je pense que j'ai capté le bail, frérot, il suffit juste de se mettre comme ça, sauter. Oh non, attends, j'y étais presque, là, je réussis. Oui, t'as ouvert. Ok, c'est déjà bien. Ok. Ah, mais arrête, tu me pousses, hein, Kefko, tu fais quoi, allez, là? Mais non, c'est à moi. C'est moi, il a réussi. Vas-y, viens. Hop. Non. Hop là. J'ai bloqué la porte. Allez, tu vas faire quoi, alors? Allez. Non, mais allez, laisse-moi passer, Jean-Fils. On doit se dépêcher. C'est qui plus fort entre toi et moi? C'est qui? C'est toi. Eh ouais, c'est moi. Allez, hop là. Je laisse passer, frérot. C'est le pire coéquipier là pour s'évader de la prison. Tu veux jouer comme ça, tu vas voir. Ah, je rigolais. Nous voici dans la cantine. Oh, gros. Ça trouvé? Gros, j'ai trouvé. Quoi? Oh non, ça c'est fourbe. Attends, mais ça c'est très fourbe. Ça c'est très très fourbe, hein, ça, mec. T'as vu ça ou pas? Oh. Je serais resté bloqué tellement de temps. Oh, mec, t'es en train de hacker le serveur là. Je peux hack un serveur là, viens voir. Vite, go. Oh là là. Est-ce que tu penses qu'on va réussir à s'en sortir? Parce que là, il y a tellement de cellules, frérot, ça me fait péter un câble, hein. Ah, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas, on va dire, de garde, donc ça va plutôt bien. Attends, c'est quoi que tu viens de récupérer là? Une grenade? Vas-y, lance ta grenade sur la cible, mec. Une grenade. Ok, ça a ouvert ici. Ils ont ouvert la porte. Ah, dommage, j'ai perdu ma grenade, les gars. Je l'aurais bien lancé en pleine tronche, hein, Jean-Fils.
Attends, tu voulais m'exploser avec une grenade, mais t'es un malade mental à dire ce genre de choses. Ah bah, c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Oh, par contre, il y a des statues en or massif de bananes, elles sont incroyables. Il nous faut 20 de briques et une carte d'accès à l'état-major. Oh, là, je crois qu'on commence clairement à monter dans les grades de la prison. La carte d'accès, elle est juste ici, frérot. Allez, ouvre la porte, laisse-moi passer. Oh, t'as essayé de me coincer, là. Non, pas du tout, du tout, du tout. Oh, attends. Il y a un mur bizarre, là, ouais. Je me suis dit la même chose, il y a un truc louche. Ah. J'ai trouvé un truc ici. What? Mais comment t'es allé là? Là, il y a un bouton derrière l'ordinateur. Là, oh là, c'est une dinguerie, frère. Ça m'a téléporté carrément à gauche, à gauche. À gauche, à droite, au-dessus, en bas, derrière toi. Ah ouais, oh, voilà. Mais c'était ultra bien caché. Mais comment t'as trouvé ça, même? Mais mec, je suis trop fort, mec. Je suis le meilleur en escape game. Ok, il faut sûrement récupérer quelque chose ici. Ok, il y a un pistolet, fusil à harpon. Vas-y, récupère-le, mec. Et voilà. Tire sur la cible. Voilà, allez, go, magnifique. Il y a un truc là derrière. Oh là 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 là. Mais quoi? Comment t'as fait pour voir ça, gros? C'est avec mes gros biceps de pigeon, j'ai déplacé l'armoire entière, mon gars. Frère, moi j'ai l'impression que t'es plus fort que moi pour t'échapper là. Mais attendez, mais c'est parce qu'il est plus jeune que moi, c'est pour ça. Mais en vrai, il y a pas de plus fort. On s'échappe ensemble. Regarde ce qu'il y a juste ici, un petit trou, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Sûrement trouver le pistolet. Ouais. Oh, c'est bon, j'ai trouvé juste là, gros. Oh là là, dingue, oh, frère, je trouve le petit canard. J'espère vraiment que là, on va enfin pouvoir voir le dehors de cette prison. Je suis encore un canard, regarde. Moi. Oh, à chaque fois, on avance. On va dans les profondeurs de la prison, frérot. J'ai l'impression qu'on va jamais voir le seuil. Si ça se trouve, on va dans le mauvais sens. Ah ouais, imagine. Non, 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 dis pas ça en vrai, dis pas ça. Là, t'envoies des ondes négatives, Jean-Fils. On va y arriver à s'échapper de cette prison. Je te crois alors, hein. Vas-y, là, qu'est-ce qu'il faut chercher là? Je sais pas, regarde un petit peu dans les autres prisons. Chez moi, y a rien pour l'instant. Il faut de la poudre à canon et 20 pièces en or. Mais j'en ai marre, frérot. Où est-ce qu'on va trouver ces pièces en or? Ok, moi, c'est bon, j'ai trouvé les pièces en or. Ok, bien joué. Il manque plus que la poudre à canon. Où est-ce que je vais trouver ça? Je vous avoue, j'ai un petit peu le seum. Je pensais avoir trouvé un passage secret pour prendre de l'avance sur Jean-Fils, mais finalement, non. Comment ça prendre de l'avance sur moi? T'es malade, du mec. Oh, c'est bon, j'ai trouvé la poudre à canon. Tu l'as trouvé où? Hey, tu m'as bloqué. Mais allez, c'est parti. Cellule suivante. Alors, comment on va faire pour sortir de cette cellule, Tesco, là? Il nous faut de nouveau plus de points de vie. Il y a de nouveau un laser rouge qui va clairement nous tuer. N'y va pas cette fois, n'y va pas. Ok, t'inquiète même pas, j'y vais pas. Il faut trouver des splashs ou des soins. Où est-ce qu'on peut trouver ça, mec? J'avoue que normalement c'est quand même assez gros. Ça me paraît bizarre qu'on les a pas vus. Si, Kefko, regarde, j'ai trouvé un truc là, c'est bizarre ce truc. Ok, let's go, là, du shield. Vas-y, go. Ça, c'est un méga splash. Aïe. Bam. Oh, ça fait super mal celui-là, j'ai plus que 25 points de vie. Effectivement, ça picote de fou, mais bon, c'est pas grave. On a réussi à s'échapper de cette cellule pour retourner dans une autre cellule. Mais je vais péter un cap, frérot. Il y en a combien dans cette prison, en fait? J'avoue que là, c'est vraiment interminable. Il y a un bouton ici, next level. Incroyable. Ouais, je doute que tu trouves un prison comme un. Là, c'est sûr, c'est à travers. Oh, c'est bon, j'ai trouvé. Passé où? Let's go! À travers une vitre. Oh, mec, bonne nouvelle! Oh là là, enfin, on n'a plus de cellules, mec. Regarde-moi ça, on est carrément dans les catacombes de la prison, c'est incroyable. Let's go! Là, je suis vraiment content parce que j'en avais clairement marre de ces cellules. Après, je suis pas très fort en jump, je fasse attention. Et surtout, regarde le liquide vert en dessous. Ah ouais, ça s'appelle du mucus. Je te déconseille fortement de tomber dans le mucus, hein, Kefko. Ouais, je vais faire très attention, il y a de l'eau qui sort. Tu penses pas on peut s'échapper par ici? Honnêtement, je prendrais pas le risque. Attends, voyons voir. Ah, je sais pas, honnêtement. Wesh, t'es un malade. Ah, non, attends, attends, j'en fais cette boîte. Tu fais quoi, gros? Retourne sur le pavé, là. Oh, c'est moi, j'ai réussi. T'es un malade de faire des trucs ainsi, là. Attends, regarde ce qu'il nous faut. Il nous faut du scotch et on peut même pas ouvrir. Le scotch est juste là. Mais frérot, moi, je vois pas la clé, hein. Je vois pas où est-ce qu'elle pourrait être. Franchement, là, je vais péter un câble, gros. Ça fait longtemps que je la cherche et je la trouve pas. T'es sûr que t'as bien vérifié, là, dans le tuyau? Voilà, j'ai pas vraiment. Ouais. Oh non, tu vas mourir. Jean-Fils, tu fais quoi? C'est bon, j'ai trouvé la clé. J'ai trouvé la clé. Oh là mais là t'es là, pas là mort. Et what? Eh ouais, je suis pas mort. Je suis trop fort, Kefko, tout simplement. Regarde ça. Hop là. Salto et c'est parti, frérot. J'avoue que là, pour cette étape, t'as plutôt géré. Moi, j'avais absolument rien vu. Ok, il nous faut des briques. Oh, j'ai trouvé ici, Kefko. Oh, c'est une dinguerie. Oh, t'as vu ça, frère? Waouh. Wow. Oh ouais, non, mais c'est impossible. Ça devient de plus en plus complexe. Là, je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'on va réussir vraiment à sortir de cette prison, oui ou non? Là, je m'inquiète fortement, Kefko, hein.
J'avoue, mais je pense que plus ça devient difficile, plus on se rapproche de la fin. Et là, c'est quoi ce bordel dans une prison, les gars? Ils ont des missiles nucléaires, là! Oh non, c'est la salle de torture! Oh là là, c'est la pire salle possible! Moi, j'ai pas envie de rester ici, moi, je te le dis, hein! Le mec, t'es pas du tout rassurant comme coéquipier! J'avoue que par contre, là, les petits lits comme ça, ça inspire vraiment pas confiance. Et c'est quoi cette lampe, là? C'est trop bizarre. Oh, j'ai trouvé ici un bouton, Kefko! Attends, je vais essayer d'activer. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ça va ouvrir une porte, peut-être. Oh, ça m'a téléporté! Ah, je... Oh! Attends-moi! Kefko. T'es pas prêt. Vas-y. Oh, on est enfin dehors, Jean-Fils, on a réussi. Let's go, regarde, c'est pas terminé, Kefko. Il faut qu'on arrive à trouver la carte de Mio Isclé juste là. Oh là, où est-ce qu'elle est bien-être? On est toujours chez la police, mais regarde, il y a un hélicoptère là-haut. Tu crois on peut aller dessus? Mec, il faut absolument qu'on rentre dans l'hélicoptère d'une manière ou d'une autre. J'ai pas l'impression que c'est possible par là. Ici, j'ai trouvé la carte. Ok, vas-y, ouvre. Oh là là, on va pas s'enfuir en hélicoptère, Jean-Pierre, c'est trop stylé. Oh là là, frérot, là, on est carrément dans le commissariat, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Heureusement, il n'y a pas de garde, mais maintenant, comment? Oh, là en haut. Oh, regarde. Attends, regarde, je peux investiguer sur les ordinateurs. Oh, ok, d'accord, regarde. Vas-y, investigue. Vas-y, va à gauche, moi, j'investigue à droite, là. Hop là. Attends, moi, je me suis enfui par le haut. Je crois que tu fais n'importe quoi, Jean-Fils. Il faut monter en haut. Ah ouais? À mon avis, ça sert à rien ce que t'es en train de faire. Monte sur l'ordinateur et il y a plein de boutons ici. Ah ouais, bien vu. What? Mais... Ah ouais, d'accord. Maintenant, faut trouver le bon bouton. Je t'avoue que là. Ouais, faut faire vite, là, parce qu'il y a les gardes qui nous cherchent, mec. Hein. Vite. Hein. Et puis surtout, il y a l'hélicoptère, il va bientôt décoller. Oh, je sais pas. Non, les gars, non, il faut pas. Il faut absolument pas que ça se passe comme ça. Là, ça me stresse trop cette histoire. Au moment, en fait, fallait vraiment hacker les ordinateurs. Ah ouais, tu penses? Ah non, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Oh, pourquoi il y a une caisse bizarre? Oh! Et moi, je crois que je les ai tous essayés. Hein. Oh! Gros, ici! Va dans la caisse! Oh, attends, mais c'est encore un piège! Pas possible! Mais ok, c'est bon. Ok, on est sur le toit, vite! Vas-y, faut monter! Oh là là, vite! Oh là là, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer! Allez, vite, Kefko! J'avoue que ça, évasion en hélicoptère, on l'a jamais fait! Oh! Ok, c'est bon! J'y suis! J'arrive pas à rentrer, je suis sur le toit! Rentre! C'est moi, okay. Je suis à l'intérieur. Décolle! Je peux interagir. Gros! What? Non, mais où là? Non, c'est notre hélicoptère, ça. Mec, on a réussi à s'échapper de la prison. On a pris un hélicoptère. On vient de le cracher, mais je vais péter un cap, Kefko. Oh, mais je crois qu'on va jamais réussir à s'échapper. C'est dinguerie, mec. On était presque là. Il y a plein de montagnes, mais surtout, il y a des cadavres de dinosaures, on dirait. Je pense que là, vraiment, plein de gens étaient bloqués à vie à cet endroit. Oh, Kefko, j'ai trouvé quelque chose ici dans l'hélicoptère. Attends, c'est quoi ça? Un transform accessoire? What? Oh, oui. Mais quoi? C'est sûr, on a besoin de ça. Tu l'as trouvé où? À l'intérieur? Ah ouais. Ouais, il faut qu'on arrive à s'introduire à l'intérieur de la grotte. Transformer encore en petit os. J'avoue que ça, c'est une très très bonne idée. Réussi à passer ou pas? Attends, on va voir si avec l'os ça passe ou pas. Oh, c'était stylé, c'est bon, on est passé. Let's go. Mec, il y a la police et un autre trousse, je te rappelle. Donc là, il faut absolument qu'on arrive à sortir d'ici. Je suis d'accord que la police, c'est un problème, mais est-ce que t'as vu la taille des cadavres dans cette grotte? À tout moment, il y a un monstre. Ah ouais, j'avoue, ça fait grave flipper. Il y a un os juste ici. Trouve un os, vite, Kefko, là. Parce que moi, j'ai l'impression que je fais tout le travail, là, en ce moment. J'ai l'impression, là. Mais non, n'importe quoi, c'est bon, j'ai trouvé l'os. Voilà. Jure, t'as trouvé. Ah, les dingues. Qu'est-ce qu'il raconte, mon gars? C'est moi, je fais tout le boulot ici. Hop. Et t'essaies de me bloquer, là. Essaye pas de t'échapper sans moi, quand même, Jean-Fils. Non, pas du tout. Par contre, c'est quoi, ça, cette porte? Il nous faut de la brique. Oh là là, mais vraiment, c'est tellement une galère de s'échapper d'ici. T'as trouvé quelque chose? Oh, t'as réussi. Ouais, ici. Oh ouais, mais c'est ultra bien caché. Et t'as vraiment l'œil aujourd'hui, hein. T'inquiète, je suis un professionnel de l'échappation challenge. Qu'est-ce que c'est que cette zone là? Ça me fait flipper. On peut passer ou pas? Vas-y. Tu passes à travers moi. Bah, pour l'instant, rien. Ok. Ah, il faut une pomme. Oh, d'accord. Une pomme rouge. Donc, il faut trouver. Là, la pomme. Vas-y. Ah, elle sert à quoi cette zone verte là? C'est vraiment trop bizarre. Ah, ça m'a retiré la pomme. D'accord. Vas-y, Kefko, je t'envoie la pomme. Vas-y, tire-la-moi dessus. Hop là, vas-y, récupère. Il me l'a envoyé en pleine tranche là. Ça fonctionne? Ouais, let's nickel. Go. Voilà, ça c'est fait, c'est plus à faire. Mais c'est quoi cette palace? Un passage secret de fou, gros. Ah, j'avoue que là on est très très bien. Ah ouais, faut monter. Regarde. C'est sûr qu'il faut monter. Attends, il nous faut une noisette et du métal. Ah, ok, il faut trouver une noisette et du métal. Mec, regarde. Ah ouais, regarde la table de billard.
Ah ouais, ramasser le gland, c'était pas une noisette, c'est un gland, Kefko. Ouais, frérot, on va pas refaire le débat. Pour moi, ça reste une noisette et ça va très bien comme ça. Ok, et métal... là, il nous faut du métal. Où est-ce qu'on va trouver du métal, les gars? Je pense peut-être... Peut-être le mur en soi, ici. C'est non. Bon, j'ai trouvé, c'est ici le métal. Frérot, mais attends, mais j'ai l'impression que les épreuves deviennent de plus en plus complexes. C'est franchement une dinguerie phénoménale, hein. Eh ouais, t'as bien fait de dire ça, wesh. T'as pas étonné. Attends, c'est une dinguerie. Attends, c'est moi où je vois des tuyaux de couleurs différentes, là. Voilà, ça, c'est chaud, là. Moi, je vois surtout de la lave en dessous. Hop là. Je pense que les tuyaux rouges, moi, ils m'inspirent pas confiance. Je vais même pas dessus. Hop là. Ok. C'était The Floor is Lava Challenge, hein. Moi, je te le dis. Oh, il y a un trône ici. Oh, je peux carrément m'asseoir. Bah, t'as trop le style en vrai, hein. Je jure que c'est trop stylé. Moi, j'ai le style, mon ref. T'as vu, on a récupéré une carte. C'est vrai, moi aussi j'ai le style ou pas en tant que roi pigeon. Non, t'es vraiment moche et ton skin restera moche jusqu'à la fin des temps, mec. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ta vieille casquette rouge là, c'est bon, c'est mais il y a vraiment que les pigeons pour acheter ce skin de pigeon, hein. Franchement, c'est abusé, hein. Bah ouais, moi je trouve qu'il me correspond bien. Bon, il nous manque quoi à part la petite carte? Il nous faut une clé. Ouais, et j'arrive pas à trouver cette foutue clé, mec, hein. Ah ouais, bah le pigeon, je pense qu'il va la trouver la clé parce que regarde, il y a un deuxième étage. Certes, ton skin est très moche, par contre, avec tes gros yeux globuleux, tu sais voir pas mal de choses, hein. Je te jure, je vois à droite et à gauche en même temps, 180 degrés. Ça, c'est nickel. C'est bon, regarde, j'ai trouvé la clé juste ici. Je reste quand même le meilleur parmi toi et moi. Hein. Ouais, allez, là, faut dire dans les commentaires, Team Jean-Fils ou Team Kefko. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire Team Pigeon. Non, Team Jean-Fils, c'est pas du Team Pigeon. Bon, là, il nous faut du charbon. On devrait le voir direct, ce gros bloc noir là, non? Oh, mais si, c'est bon, j'ai du charbon. Bon, j'ai du charbon, frérot. Dans le feu, il était dans le feu. Parfait, voilà, parfait. Ça, c'est magnifique. Mais attends, on est où là? Est-ce qu'on est encore dans une prison, dans une grotte? Moi, je comprends vraiment plus rien. Ah, bon, là, mec, on est carrément dans les endroits non accessibles aux prisonniers, hein, mec, hein. Ouais, j'arrive pas à trouver comment m'échapper. Ah, t'es là, Jean-Fils. Oui, bah ouais, je te suivais, hein, mec, hein, qu'est-ce qu'il y a, mec? T'inquiète, j'avais vu que tu me suivais. Ok, là, il y a un petit trou. Il nous faut un pistolet transforme accessoire, encore une fois, Jean-Fils. Où est-ce qu'on va trouver ça, frérot? J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus petits à chaque fois, mec, hein. Bah moi, je trouve surtout que c'est le plus dur escape game qu'on a jamais fait. J'espère que quand on va pouvoir s'échapper, on aura vraiment un immense trésor. Oh, il est juste là, Jean-Fils, regarde. Oh. Ah ouais, bien joué. Heureusement que j'étais toi et tes yeux globuleux, mec, parce que sinon on n'aurait jamais trouvé, hein. Allez, c'est parti, on va passer le petit trou et on passe au niveau suivant. Là, franchement, en fait, j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans les cellules, mais on est dans les locaux des gardiens, frérot. Regarde-moi ce luxe qu'ils ont. Ouais, c'est vrai, mais dis-toi, on s'est quand même échappé avec un hélicoptère, on s'est crashé dans une montagne. Et là, on est dans une sorte de bunker de luxe. C'est vraiment trop bizarre, l'ambiance. Gros ! Quoi ? C'est la porte qui donne du métal ? Vraiment ? Oh là là, ah les ouais gars. Trop bien ! Mec, ça fait je sais pas combien de minutes qu'on est en train de chercher la solution. Elle était juste en face de nos yeux, mec. C'est abusé ! Je jure, je pense que ça fait vraiment plus d'une heure, honnêtement, qu'on est sur la map. Jean-Fils en train de galérer comme pas possible. On passe dans le petit trou. Et on est de nouveau dans une cellule, Jean-Fils, on a fait tout ça pour rien, c'est bon. Non, franchement, je vais péter un câble. La vie de ma mère, je vais péter un câble, je viens de m'en rendre compte. Mec, je vais câbler, je vais casser mon écran à un moment donné. Kefko, maîtrise-moi là, parce que ça m'énerve là. Je peux rien dire, je suis énervé aussi. On est vraiment au début. Imagine, là, on doit tout recommencer parce qu'on a pris le mauvais chemin. Ah non, les gars, j'ai juré, c'est la pire map Fortnite de toute ma vie, je vais pleurer. C'est quoi ça? Le créateur de la map, il se fout de qui, là? On a réussi à s'échapper d'une prison et là, on se retrouve encore dans une prison. Ça va aller, ça va aller. Mec, on va réussir. T'inquiète pas, Jean-Fils, il faut garder espoir. Là, je trouve absolument rien, moi. Oh. Ouais, c'est une dinguerie. T'as vu comment j'ai réussi à passer par ici? Ok, là, il faut que je récupère l'or. Oui. Il faut trouver de la poudre à canon, Kefko. Vas-y, je te laisse pour ça. Bah la poudre à canon, moi je t'avoue que j'ai déjà fait le tour de toutes les cellules, j'ai rien trouvé. Oh là là, mais t'es vraiment un bras cassé en fait, Kefko, tu sers à rien tout simplement. Mais pas du tout, c'est juste que là j'avoue que j'ai un petit peu de peine sur ce niveau. Mais je vais trouver, ouais. Vas-y, je vais trouver le charbon. Oh, il est juste là, dans le lavabo. Allez, t'as trouvé? Eh ouais. Ah ouais, bien joué, enfin on a de quoi s'échapper de cette foutue cellule qui me rend fou et qui me rend malade depuis je sais pas combien de temps, les gars. Et nous voici encore dans une nouvelle cantine. Non mais je vais péter mon crâne, frère. Bon, ça va, une petite cantine, elle est bien meublée, ça a l'air beau. Je peux pas l'ouvrir. T'as trouvé quoi? j'ai,
J'ai trouvé. C'était à l'entrée ici, c'est vraiment un bac à la fille. Ça vraiment, c'est les pires niveaux parce qu'on pourrait rester bloqué pendant des heures. Heureusement que je suis là pour nous sauver. Ouais, allez, c'est bon. J'ai pas trop des fleurs non plus, frérot. Il prend trop la confiance là. Alors prouve-nous que tu sais gérer alors, frérot. Vas-y, vas-y, je vais te montrer ça directement. Voilà, je t'ai montré. Ah. Vas-y. Ah ouais, tu m'as montré, ouais. Ah ouais, j'ai capté. Vas-y, ce niveau, ne bouge pas, je maîtrise la situation. Ok, j'ai trouvé le petit gland qui était juste ici par terre. Maintenant, il me manque plus que la carte. C'est bon, le plus rapide, c'était moi. Let's go. Et tu restes derrière, Kevgo. Mais tu m'as même pas attendu. En plus, tu l'as trouvé où cette carte? Mec, elle était juste en face de la porte. Mais ouais, c'est abusé. Encore une fois, j'ai prouvé à tout le monde que c'était moi le plus fort. C'est bon, j'ai encore trouvé la prochaine. Et les gars, là, on a bientôt terminé. Ok, là, il me faut quelque chose à jeter sur la cible. Franchement, il prend trop la grosse tête, Jean-Fils. Donc, tu sais quoi, à partir de maintenant, c'est la course. Le premier qui s'échappe, eh ben, il a gagné et il remporte tout le butin. Attends, t'es sûr de toi, Kefko, là? Regarde-moi. Oh, t'as trouvé un pistolet. Oh, là, je suis... Oh, t'es un malade, me tirer dessus. Ouais, c'est quoi ça? Effectivement, je suis un malade, mais c'est moi qui passe au niveau suivant. T'as voulu faire la course avec moi, Kefko? Moi, je perds patience. C'est moi qui vais remporter la victoire. C'est parti, les gars. Allez, vite, il faut que j'arrive à sortir de cette cellule le plus rapidement possible. Oh non, il est déjà là, mais je vais péter mon crâne, frère. Comment il fait? Ok, vas-y, là, vraiment, il reste plus beaucoup de niveaux. T'as réussi à passer au prochain niveau? Ah non, t'es encore là. Je suis trop peur. Alors, c'est compliqué. J'arrive pas à trouver la sortie. J'ai vraiment envie de gagner pour prouver que je suis le meilleur. Oh, let's go. Je suis passé au niveau suivant, Jean-Fils. Ok, ok, c'est bon. Je suis avec toi. T'as trouvé aussi. C'est pas possible. Ok, il nous faut deux piles différentes. Oh là 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 là. Celui qui a les deux piles remporte la victoire, Kefko. Ah ouais, tu penses que là, on va s'échapper de la prison? Ah, je sens l'air frais là. Avec mes narines, je sens qu'on est proche de la sortie, mec. Hein, là. Ok, ok, pour l'instant, je t'avoue que je trouve absolument rien. Je sais pas si t'as trouvé une batterie, moi... toi. Je suis sûr que tu en as trouvé une, mec. T'es un mythomane, je te connais avec ton air là. Non, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Oh, je t'ai vu trouver quelque chose. Je t'ai vu trouver quelque chose, gros. C'est bon, j'ai récupéré. Oh là là, vraiment, j'ai senti que t'avais cramé. Bon. Elle est où la deuxième batterie? Non, mais. Hein? Elle est où la deuxième batterie? Attends, t'as trouvé? Ah non, tu triches! T'es un gros tricheur! T'as pas le droit de passer au même temps que moi! C'est une dinguerie ça! Ouais, j'ai triché effectivement. Ok, là il nous faut du métal. Où est-ce qu'on va trouver ce foutu métal, frère? Oh là là, c'est une dinguerie les gars! J'allais gagner et franchement t'as triché. Hein. Oh là, j'avoue c'était chaud, mais t'inquiète frère. C'était pas chaud, t'as triché juste! Et le métal, le métal, le métal. T'as trouvé du métal? Non! Toi? Non! Là, je veux même plus m'enfuir, je veux juste gagner contre toi, mec. Là, il y a mon esprit de compétition qui s'est activé. Oh! Wesh! Alors, mon fils, t'es en train de trouver la sortie ou pas? Wesh! Comment t'as fait? Wesh, comment t'as été là? Allez! Là, c'est une dinguerie. Moi, je sors d'ici! Et je m'enfuis de la prison! Oui! J'ai gagné! Oh non, je vais péter un câble, les gars. Y'a Kefko qui a réussi à s'échapper de la prison avant moi, les gars. Bien joué à toi, Kefko. Ah, franchement, les gars, je suis refait. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez votre gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Le code créateur TGE dans la boutique, on ne l'oublie pas. Régale-toi avec mes autres vidéos juste ici. Et moi, les BG, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!